Hello la compagnie, salut tout le monde, vous êtes sur KO Gaming, on est ensemble pour le cinquième épisode sur Resident Evil 2 Remake et nous sommes revenus dans le commissariat après avoir parcouru les parties souterraines en ayant battu William Birkin, premier boss du jeu, et en remontant de ces souterrains. On retournait dans le commissariat, mais dans le parking. Voilà, ici. Donc, il me manque encore pas mal de petites choses. Hein. Donc, j'ai un lecteur de cartes. Et il y a un mec qui est mort ici. Là, il faut réparer le panneau électrique. Le dernier composant se trouve dans le commissariat. Donc, les parties que nous connaissons. C'est ce que je vais faire maintenant. Et il faut que j'arrive à entrer dans l'horloge où se situe la dernière pièce de panneau électrique pour sortir. Du commissariat par la porte du parking, voilà, tout simplement. Je me suis peut-être très mal exprimé, mais j'ai compris. Voilà. Et puis bah là nous sommes dans la mouise la plus totale, puisqu'il ne nous reste plus que une balle de pistolet, je crois, en termes de munitions, ce qui est très peu. Ouais, là, ça commence à piquer, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai trouvé la crosse pour mon pistolet, mais voilà, en termes de vie, j'ai eu un soin complet avec moi et j'en ai d'autres dans le coffre. Voilà, j'ai une grenade tactique aveuglante. Mais c'est tout, quoi. Hein, j'ai... Après, en termes de munitions, j'ai une balle de merde. Le fait que les zombies soient beaucoup plus costauds, ça y fait. Alors, j'ai une fenêtre à barricader. On va la faire de suite. Puisque j'ai une planche en bois dans le coffre. Hein? Ah, j'ai vu autre chose. Allez, hop, on barricade ça. J'ai pas envie d'être emmerdé en revenant. Ah bah oui, évidemment, c'est pas la seule. Ah ouais, non mais je crois. Ah oui. Oh merde. Ah, un couteau. Allez, 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 allez. Putain. Waouh. Ah là, il faut fuir, là. Là, on a vraiment, vraiment pas le choix. Et nous voilà ici. Je vais voir mes vies là, je suis en jaune. La vache! Donc je vais reprendre un soin. Je vais prendre un spray avec moi du coup. Et que fait Marvin? Bah, c'était sûr. Marvin. J'ai plus de balles. Désolé, Marvin.
c'était sûr. Bon, et puis il avait rien, j'imagine. Il me faut des balles, mais putain, mais donnez-moi-en, mon sang. Je vais être ancré avec mon pauvre couteau là. Bon, moi j'ai la clé carreau. Qu'est-ce qui peut s'ouvrir avec la clé carreau? Saldar, non. Ah, j'ai la manivelle ici. Ok. Là, il me faut une clé USB. Ah, une porte-carreau là aussi. Ah, ben c'est là où. Ah, ouais, on va aller là. Où on va aller là, la buanderie. On va aller à la buanderie. Et c'était l'endroit où j'avais tué le Lickers. Parce qu'on en a trouvé deux. Il y en a un que j'ai tué, c'était le premier. Et le deuxième, il m'a fait tellement peur que je suis parti en courant. Il m'a suivi pendant deux salles. Et j'ai réussi à le semer. Mais il est toujours là, bien entendu. Donc, heureusement, c'est le troisième étage, là où il est encore. Donc, nous, on est safe ici. À moins qu'ils en aient remis un autre, mais. C'est un peu abusé, quand même. Allez, hop. Alors. Bien trouver quelque chose dans cette buanderie. Un coffre portatif. Youpi, tralala. S3, ah putain. Ah putain, c'est chiant. Et puis moi qui ai une mémoire de poisson rouge, voilà. Oh, ça se prend de la tête, ça. Oh, secours!
problème, c'est que je vais aller beaucoup trop vite. Je sais plus. Oh putain. Ah, c'est chiant. Fais n'importe quoi. Mais je vais être obligé de prendre une feuille, hein. J'ai pas le choix, hein. Puis là, je perds patience. J'étais pas loin de tout à l'heure, mais là... J'ai une chance sur deux. Ah putain! C'est pas vrai! Là. Mais ne jamais jouer au loto KO! Non mais c'est chiant ce machin! Eh ben, ouais, c'est ça. Ah, la fameuse touche. Bon, c'est pas ça qui va me faire avancer énormément de choses dans le jeu, mais bon. Poudre noire. Oh, c'est tout ce qu'il y a. Franchement, ils abusent. Bon, le bureau des stars, pour l'instant, ça sert à rien puisque je n'ai pas. La tour de l'horloge. Je n'ai pas. Comment on appelle ça? Le truc pour le cric. Une fois que j'aurai le truc pour le cric en haut de la bibliothèque, je pourrai monter. Clac, clac. Je serai en haut dans la tour principale, enfin dans l'hall principal, oui d'ailleurs il y a des trucs là aussi. Et je pourrais aller à la tour de l'horloge immédiatement. Bon, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? La clé carreau, donc ça c'est la une cœur, une trèfle. Et dans le 3. Le 3F, non. Le 2F. Le 2F. Ouais, non, j'ai un coffre ici. Bah, c'est le trou de manivelle, hein, tout simplement. Donc, on va aller là. Hein. Hein? Ouais, il est pas mort encore, putain, mais Marvin. Que je t'ai mis mon gars, mais c'est pas vrai. Il reste un petit coup. J'accomplirai ma mission, lieutenant.
Coûte que coûte. Ouais. Bon. Quand est-ce que vous me donnez des munitions, bon sang? Là, on est vraiment dans la pure survie. Hein. Et si je connaissais ces combinaisons de coffres aussi, ça. Faites voir un truc. Oui, j'ai les touches de rechange, mais alors je gagne une sacoche et un couteau. Ouais, ok. On verra plus tard, hein. Je l'avais fait. Ouais, bon, rien d'intéressant, hein. Bon, la manivelle. Quelque chose d'intéressant. Ah, on voit assez selon lui. J'allais dire, je peux pas buter Raccoon. Salle d'interrogatoire ou salle d'observation en bas. Et ici j'ai bureau du chef. Clicker. Ici je monte en haut. Salle de stockage est, terrasse. On va monter. Ça me semble plus sympa. J'en ai marre des souterrains. Pff, barricade. Arrêtez. Donnez-moi des munitions, bon sang. Ouais, une grenade aveuglante. Incroyable. Pourquoi ils mettent des chapeaux? Il y a plus de chapeaux que de munitions, quoi. Ah bah enfin! Eh bah dites donc, hein. On avait mis le temps. Bon, j'ai la terrasse en face et j'ai la salle de stockage est. Qui me permet d'aller à la tour de l'horloge. On va d'abord aller à la terrasse. Et dans le couloir, j'ai loupé des trucs. On ira après. Yeah, il m'a venu d'ici. Non mais attendez, mais je suis dans une... Ah non, je suis dans la salle de stockage, je me suis trompé. Moi je voulais d'abord aller à la terrasse. C'est ici. Hein? Ah l'hélico qui a explosé là.
encore des plantes bleues, mais arrêtez! Non mais franchement, j'ai trois plantes bleues. Je suis obligé de retourner à mon coffre là. Vous êtes sérieux? C'est pas croyable. On me donne que des objets complètement inutiles. Ah, la clé carreau, c'est bon, je peux l'acheter. Hop, oui. Ça, je peux l'acheter. Oui, bon, ça me fait deux places de plus, mais bon. Hein, c'est pas comme si je regorgeais de place partout. On va faire un tri. Passer devant Marvin qui ne bouge plus, c'est bon. Alors, les plantes bleues là, j'en ai ma claque. Voilà. La touche pour l'instant, je la vire. La barricade pour l'instant, je la vire, je suis au premier étage. Voilà. Rien qui pourrait m'intéresser. Hein. Non. Allez, où? Bon, et si je vais en bas? Ouais, mais si... En bas, j'ai deux salles, mais il y en a une où il y a un vilain petit monstre. J'aurais peut-être dû sauvegarder tant que j'y étais. Ouais. On va aller en haut, hein. Ça ne me plaît pas trop en bas. Oh, c'est beaucoup plus accueillant. Bon. Mais alors, la terrasse, ça me mène sur le toit. Ok. Et j'ai la chaufferie qui se trouve là-haut. Je peux m'en descendre de deux étages. Ou alors, je peux regagner... ah oui, d'accord. Terrasse. On va faire ça, ça sera fait. Il me semble que dans la chaufferie, c'est plutôt pas mal. Enfin, si. Si, hein. Que... Change des merdes. Super. C'était pas prévu du tout, ça, hein. Mais alors, pas du tout. Coincé en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça met de l'eau. Et alors? Quel pétrin je me suis foutu.
Ouais, je suis devant l'hélicoptère en feu. Parce que moi, quand j'étais allé la première fois, j'avais affaire à l'autre bout de l'appareil. Des balles, hein, enfin, hein. Sur le toit, il n'y a plus rien. Levier d'arrivée d'eau. Il y avait une porte. Ah oui, là, j'ai même pas vu. Ça mène où, ça? De l'autre côté du couloir qui est bloqué du coup par l'hélicoptère. C'est ça, exactement. Donc ça sert à rien. Je ne peux pas aller là, mais je ne pense pas. D'arriver de loin. Je regardais mes vignes vite fait. Allez, si on descend. Ici. Alors ça me mène. Je descends. C'est quoi ce bruit? Et puis là, ça le fait plus. Il y a une grosse bébête. C'est quoi ce bordel? Putain, c'est la porte ça qui fait ce bruit là. Porte de la chaufferie. Ah, c'était obligé, hein. Je vous laisse. Au revoir. Ça fait quoi ça? Je sais pas. J'ai de quoi me soigner, mais bon. Poudre noire. Non. Oh, la clé trèfle. Ah, très bien. Ah ben là, je suis dans une salle de sauvegarde, d'accord. Oh putain, tout ça pour ça. Enfin, tout ça pour ça. La clé trèfle, c'est quand même une grosse... un gros morceau, mais bon. Ah, je vais pouvoir combiner les poudres là. Alors, la cadence de tir a augmenté, hein, avec la crosse. Mais j'ai pas tué les deux, hein. Ah, je vais couper la jambe. Bon. Mais bon. Coffre à objets.
Et l'autre il est mort. L'autre il a pas rebougé. Left. On va suivre les tuyaux du coup. Hein? Non, tu bouges pas toi. Il me semble qu'il y en avait plus que ça à cet endroit-là, hein, dans l'original. On va passer en plein. Ok, et alors? Ah, ça éteint les flammes. D'accord. C'est par là. Oh putain. Oh la vache. Je peux pas croire, un tyran bon sang. Sérieux? Je me casse d'ici et vite. Je vais où moi là? J'ai plus de balles de toute façon. Je vais aller au bureau du chef. Ah non, c'est la clé trèfle que j'ai, pas la clé cœur. Non mais le tyran, quoi. Et j'ai une balle. Il se fiche de moi. Allez, on va à la salle de stockage. Oh la vache. Et là, il y en a un aussi, quelque part. En rouage. Oh, ça prend deux places, cette merde. Allez, crève! Saloperie! Oh non, relève pas! Oh non! Oh putain, il y a l'autre qui revient! Il me suit encore! Non mais j'y crois pas! Dégage! Dégage! Non mais le tyran qui me suit! Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de balles! J'ai pas le choix. Je peux rien faire. Il va pas venir là quand même. Non mais c'est dingue. Mais s'il va venir là. Je l'entends encore marcher.
Mais non, mais c'est l'enfer là-dedans. Putain, mais c'est pas vrai, mais fous-moi la paix, bon sang. Ah, il vient ici aussi. Non, mais c'est faramineux, hein. Comment je... J'ai aucune balle, je suis cuit. Tout ce que j'ai à faire, c'est courir. C'est pas avec mon petit couteau que je vais pouvoir faire la différence. En plus, il est bien usé. Tiens, 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 tiens! Mais même ici, il vient, lui. C'est hallucinant. Allez, 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 on se casse d'ici et vite. Et du coup, là-haut, là, maintenant, la salle de stockage est, il me reste encore des trucs. C'est dingue! Hein? T'es fermé, bon sang! Crapi, oh. C'est exactement où je suis. Bah oui, c'est pas avec deux balles de pompe que je vais réussir à faire quelque chose. Bon bah, j'ai plus qu'à aller en bas, hein. C'est le big enfer. Encore la clé cœur. C'est quoi ça? Poudre jaune. Donc moi je peux ouvrir celle-là. Rapport de confiscation. Salle d'attente 2F. Cause de la confiscation, l'individu surpris dans la pièce susmentionnée lorsqu'il a été interpellé. Il a tenté de fuir en simulant la confusion mais a été arrêté. Une note en sa possession a été confisquée. Tout le monde sait déjà de qui on parle, mais au cas où, il s'agit de Justin Hanson, 39 ans, habitant de la ville, célibataire, habitué
de nos cellules. C'est pas vraiment un truand, plutôt un kleptomane vraiment stupide. J'arrive pas à croire qu'il ait tenté de faire ça dans un commissariat. Il y a un morceau de papier dans un sac plastique. Ouais. La poudre. Je vais pouvoir faire 3 balles. Horrible ce jeu. Oh, des cartouches, putain, c'est bon ça. Allez. Ça c'est la clé cœur. Ça me sert à rien du coup. Bon bah voilà. Oh putain. J'attendais, mais bon. Oh là là, les bruits de pas là, mais c'est horrible. Ah putain, il arrive. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh la vache! Ah, tu viens pas ici. T'as peur d'ici. Encore toi? Non, c'est pas toi que je veux, moi. Te retourne pas. On va jouer avec les limites du jeu. Voilà. Il va venir ou pas? Non, il va venir, ce connard. Ouais, c'est dingue. Ah, y a la musique, ça y est, il est là. Oh putain. Ouais, putain, ouais. Toi, te retourne pas, surtout, hein. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? J'ai eu. Je peux pas rester ici. Ah non, dégage toi.
Bon, l'autre il bouge plus. C'est déjà ça. Ouais. Il bouge plus, mais pas pour longtemps. Bon. Oh, putain. Oh, c'est horrible! Je ne sais pas du tout comment faire. Là, il y avait quoi là? Cette main là. Tu ne sers à rien. Trois balles de bombe dans la tête. Ça lui a fait quand même un petit choc. Voilà. Enfin, il est encore là, largement. Où est-ce que je peux aller là? Bon, tout ce qui est à droite là, c'est fait. Hein. Il me manque la clé cœur que je n'ai pas. Et voilà, et là il manque un truc dans le bureau du chef, donc il faut la clé cœur. Et en bas, tout est fait. Hein. Donc, j'ai les archives. Ah ouais, je vais aller aux archives. Donc c'est pas là. C'est dans le couloir que j'aime beaucoup là, vous savez. Non, mais le truc horrible. Allez, ouvre-moi ça, vite. Ah putain, il fout quoi là, lui? Oh. Putain, j'ai un liqueur maintenant. Mais donnez-moi des putains de balles. Ça, je sais ce que c'est, oui. C'est impossible! Poudre noire. Oh là 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 là. Oh, puis il y a l'autre qui arrive. Merde, merde. Quoi ça? Les joueurs en Oklahoma, elle semble contenir quelque chose. Oh, je vais avoir un tyran et un liqueurs. Ce truc est incroyable. Mais non, j'ai pas de balles forcément. Oh merde, j'ai pas la clé cœur. Je vais où moi là? Oh, c'est pas vrai. Ah non 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 non, foutez-moi la paix, bon sang. Merde, je l'avais laissé. Con.
Oh putain, je suis coincé. Là. Bon ben je suis ravi de vous avoir connu, hein, les amis. Puis il est vénère. À gauche de suite. Si le tyran pouvait défoncer le liqueur, ce serait chouette. Oh mon dieu! Il va pas venir ici. Mais je peux pas sauvegarder là, c'est pas possible! Je vais me faire défoncer. Jaune en plus. Oh, casier 3F, DCM. Oh, mais je suis pas loin en plus. Enfin, je suis pas loin, mais ouais, mais bon. Je suis loin et pas loin en même temps. Merde, je vais mettre la boîte, elle ne me sert à rien. Je vais mettre le rouage, il ne me sert à rien. Sérieux quoi. Et le tyran, il revient plus. J'ai le Lickers là-bas. Et le tyran, je l'entends plus marcher. Mais comment je vais faire? Il est basé sur le bruit aussi, le tyran? Vient d'où le tyran là? Le liqueur s'y dégage. Moi c'est le tyran qui m'intéresse.
va venir de là. Je vois pas. Ah putain, il est là. Bref. J'espère qu'il y a des munitions. Là. 3F, ok. Et le code, c'est DCM. Oh non, wesh. Il y avait le Lickers, hein, j'ai vu, hein. Mais c'est impossible, hein. C'est purement impossible. Je sais même pas où je dois aller là. PC, cadenas. Ah oui, le cric. Il faut que j'aille à la bibliothèque. C'était par là. Merde, merde, merde. De toute façon, je suis cuit là. Mais complet, hein. Bon, et eh ben écoutez, je vais prendre une chaufferie commissariat. Je vais prendre un troisième slot. Je vais m'arrêter là, mais je vois vraiment pas comment me débarrasser de cette ce gros contretemps. Voilà, tout simplement. Bon ben j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Il est possible que je prenne le second slot, hein, si je viens à perdre trop, parce que là, voilà. Mais bon, vous voyez déjà la difficulté du soft. Hein. Là, je suis étonné, mais au plus profond de moi-même. Hein. Là, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Bon allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ayez pitié de mon âme et à bientôt pour un prochain épisode sur Resident Evil 2. Allez, salut à tous.